Moi ici, je suis partie sur un vieux twist out. Donc la veille, j'ai réhydraté mon twist out et j'ai fait de grosses vanilles, des vanilles moyennes sur mon twist out. Mais sinon, vous pouvez partir sur une base lissée, sur des cheveux lissés ou sur des cheveux étirés au sèche-cheveux. Donc la texture de vos cheveux n'a pas vraiment d'importance en fait. Maintenant, je vais séparer mes cheveux en deux parties, une partie un peu plus fine devant et une autre partie à l'arrière. Donc faites attention que vous séparez bien vos cheveux au niveau de votre oreille en fait, un petit peu derrière le lobe de l'oreille, parce que c'est important parce que enfin, après il va falloir bien blinder les cheveux, en tout cas vous allez comprendre par la suite. Donc ici, je vais d'abord m'occuper du devant. Je vais démêler un petit peu mes cheveux pour les besoins de la coiffure. Là, j'ai fini de démêler la portion de l'avant. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la sécuriser. On va la laisser comme ça pour l'instant et on va s'occuper de l'arrière. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une tresse renversée, donc une tresse qui monte. Alors je sais que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à faire, c'est pas évident, c'est pourquoi j'ai prévu pour vous une astuce. Donc ici, vous allez séparer vos cheveux en trois portions. Ensuite, vous allez sécuriser la portion du milieu qui doit être la portion la plus grosse en fait des cheveux. Vous allez la sécuriser avec des bobby pins. Donc ici, les portions qu'on va tresser, ce sont les portions qui sont de chaque côté en fait. Donc ça fait que vous avez moins de cheveux à gérer. Surtout si vous avez les cheveux étirés en fait, parce que si vous avez les cheveux étirés, ça peut être assez compliqué de faire une tresse comme celle-là. Donc cette méthode-ci peut bien fonctionner pour vous. Moi, je ne vais pas opter pour cette méthode-ci, mais je vais faire la méthode normale, tout simplement parce que mes cheveux sont en twist out et que ce sera beaucoup plus facile pour moi de les manier tels quels, vu que je ne vais pas créer des séparations dans mes cheveux. Je vais juste suivre les séparations du twist out, donc c'est beaucoup plus facile. Mais effectivement, comme je dis, si vous avez des cheveux étirés ou alors tout simplement si vous n'êtes pas doué pour faire cette tresse renversée là, vous pouvez utiliser la technique que je viens de vous montrer. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai quasiment le même résultat qu'avec la technique que je vous ai montrée précédemment, malgré le fait que je ne me suis pas forcément appliquée dans cette technique-là, vu que c'était juste pour vous montrer. Mais le résultat, c'est quasi la même chose. Donc voilà. Maintenant, on va préparer les extensions. Donc, j'utilise les mèches 100% Canécalon.
Maintenant, on va rassembler tous les cheveux, donc les cheveux de derrière et les cheveux de devant. Et ici, il faut s'assurer de bien blinder en fait les cheveux de devant avec les cheveux de l'arrière, de telle sorte que on ne voit pas de démarcation en fait entre la tresse que vous avez fait derrière et les cheveux de devant. Ok. Pour bien sécuriser mes cheveux, je vais utiliser un lacet pour cheveux, mais vous pouvez aussi utiliser du fil à tresser ou des élastiques si ça va pour vous. Mais les élastiques ne marchent pas pour moi en fait. Donc ici, je laisse une petite portion de cheveux de côté. Ensuite, je fais trois grosses vanilles. Donc les vanilles vont faire en sorte de réduire le volume de mes cheveux. Et c'est important de faire ça si on ne veut pas, lorsqu'on ajoute les extensions, avoir une grosse boule sur le dessus et une tresse toute rikiki en bas. C'est super moche et je le dis parce que je l'ai essayé d'abord sans faire les vanilles et j'ai refait, donc je sais de quoi je parle. Et ici aussi, vous allez séparer vos extensions en trois portions. Et voilà, logiquement, vous allez mélanger chaque extension à chaque mèche, à chaque grosse vanille, et vous allez faire une grosse braide. Donc ici, on va venir reprendre la petite mèche de cheveux qu'on avait laissée tantôt et on va la rouler en fait autour de notre queue de cheval. Donc c'est pour avoir un look à la base un peu plus naturel et pour masquer le lacet que j'ai mis en bas. Donc ici, j'utilise mon pudding pour plaquer mes cheveux, le pudding IC Fantasia que j'avais utilisé dans ma vidéo pour définir mes boucles. Donc je l'applique sur mes cheveux et je mets aussi encore un peu d'huile d'olive. Ensuite je passe rapidement la brosse et j'attache un foulard que je garde pendant 10 minutes. Donc 10 minutes plus tard, et oui, la magie du montage. Voilà la coiffure qui est enfin prête. Alors les filles, vous en pensez quoi? Ça se rapproche assez bien de la coiffure de Queen Bee ou pas? Donc maintenant, pour la deuxième coiffure, voilà, sans surprise, c'est un chignon. Donc vous allez tout simplement rouler votre queue de cheval sur elle-même, sécuriser avec des bobby pins et voilà, voilà. Par contre, n'hésitez pas à prendre des mèches plus kinky qui se rapproche plus de la texture de cheveux crépus, parce que moi j'ai pris juste des mèches qui traînaient chez moi, donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Bye!